ça sent trop bon. À la dinette, maman. Aujourd'hui, il y a le maître, il m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai répondu cuisiner pour faire les bons plats de maman. Ça sent bon, c'est quoi? Des œufs qu'on t'a préférés, des lasagnes, mon cœur. Un peu d'épave de crapaud, un verre de terre, un œil de corbeau. Chérie, à quoi tu joues? À la dinette, maman. Laisse la dinette de ta sœur, c'est un truc de fille, ça. Tu sais, maman, aujourd'hui à l'école, il y a un copain qui m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Mon chéri, tu es tellement le plus beau du monde et tellement intelligent que tu serais une star. Tu pourrais passer à la télé et faire des films. Ah oui? Moi, j'aurais voulu être cuisinier comme dans Ratatouille. Ah non, pas ça. Ça n'est pas dans les films de toi, voyons. Rester enfermé entre quatre murs, primer jour et nuit, tu mérites que ça. Tu es si mimi. Ce serait du gâchis. Allez, viens manger. Les pizzas sont pas mal. Je l'ai pas trouvé. Bah évidemment. Au travail, et que ça saute. Ouais, sois superbe. Oui, magnifique, très glamour, très sexy. Oui, comme si tu voulais embrasser l'objectif. Oui, c'est ça. Bon, crapaud, je vois que tu fais du très bon travail, je t'ai inscrit au MAF. Ah bon, chef, le meilleur apprenti de France, vous m'en croyez capable? Oui, mais tu dois encore faire tes preuves. C'est pourquoi j'ai fait un menu très spécial. Tartare de légumes, canard en croûte et moelleux au chocolat. Go! Oui. Bon, c'est fini. Il faut que j'y aille. Le gars est préparé, il a recette un déjeuner parce que bon, ça remplace mes cours du soir. Mais à quoi ça sert, les cours? Tu es trop mignon, toi. Tu fais la coupe des magazines. Oui, mais bon, tu sais, quand on a une passion, il faut la vivre à fond. Moi, ça me fait vibrer de tourner les carottes, de sauter les patates, de découper les légumes en julienne, bébé. Chef, j'ai gagné les meilleurs apprentis de France. Oh, bravo, je suis contente, félicitations. Merci, chef, mais je vais vous quitter. J'ai trouvé une associée, je vais ouvrir mon propre restaurant. Ah, bon. Tu l'as mérité. Et surtout, crapaud, je suis fière de toi et reste toi-même. Merci, chef. Alors, Cyril Lagnac, vous êtes le juré de l'émission Super Mister Top Chef. D'ailleurs, Télé 7 jours vous a honoré de 3-7. Félicitations. Merci. J'essaie de vous montrer Jean et de maintenir cette audience à haut niveau. J'ai un public qui m'aime. Un conseil pour nos chers bambins qui rêvent de devenir comme vous? Oui. Il faut croire en sa bonne étoile. Chef Gustave, quelle chance de vous rencontrer ici! Il est tellement rare de vous voir hors de votre cuisine. Je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Vous venez de gagner 3 étoiles au Guide Michelin. C'est un sacré honneur pour un cuisinier. Oui, effectivement, c'est le rêve de tout cuisinier, mais il me reste encore tant de recettes à explorer. Mais je dois remercier la chef qui m'a formé pour rendre mon apprentissage. Un dernier mot pour nos chers lecteurs? Oui, notre métier, ça ne s'apprend pas à la télé. Bon, allô la blonde? L'apprentissage, c'est beaucoup plus sage. C'était le groupe numéro 100 dans les chemins parallèles. Le thème que vous avez choisi, leur métier. Nous pouvons entendre d'ailleurs des casseroles derrière. Et c'est le CFA CFA. Ils sont en CAP cuisine allégée. Beau CAP. La mise en scène est de Esther Bastendorf. Les comédiens sur scène sont Gwenaël, Anthony, Joshua et Elodie, que l'on peut encourager très fort. Elodie passe un CAP en restaurant salle et les 3 autres sont en cuisine allégée.